Salut à tous, c'est Tobo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc écoutez, je vous laisse avec l'intro. Ok, donc c'est bon, donc comme vous pouvez voir, on est sur Minecraft 1.14, donc alors c'est le 22e ou 23e épisode. Donc alors, dans le dernier épisode, je vous avais mis un petit objectif de like. Donc alors, l'objectif de like, c'était en gros, à chaque 5 likes, je construisais un cactus, un plant de cactus en plus. Donc vous avez fait 11 likes, donc merci beaucoup, vous êtes vraiment des gros tarés. Du coup, bah, ça va être trop bizarre, du coup, bah, j'ai rajouté 2 cactus comme ça. Donc là, normalement, on devrait produire beaucoup plus de cactus. Donc alors, j'ai oublié de dire, mais si vous voulez qu'on produise dans le prochain épisode encore plus de cactus, n'hésitez pas à liker, car je continue mon objectif de like. Donc alors, comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de stacks de cactus. Donc ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais aller chercher, en fait, un biome désert pour pouvoir ensuite essayer de trouver une pyramide. Ça pourrait être quand même sympa. Et essayer d'aller trouver en même temps du grès, de récupérer en gros un maximum de sable, de grès, tout ça. Donc du coup, pour cela, on va essayer de se vider un maximum de notre inventaire. Du coup, je vais marcher hors caméra et je vais essayer de trouver en fait un désert. Donc du coup, je vais me vider, je vais chercher un désert, on se trouve juste après. Donc alors, comme vous pouvez le voir, j'ai très peu de sable, j'en ai que 1 stack et 19, ça suffira pas du tout. Donc du coup, c'est pour ça que je vais essayer de trouver une pyramide. Ok, donc c'est bon, donc je suis enfin arrivé à un désert. Regardez, il y a directement une pyramide. J'ai marché, mais pendant hyper longtemps. Genre beaucoup trop longtemps pour moi. J'en pouvais plus, mais moi là, on a trouvé une petite pyramide. On va pouvoir aller l'explorer tout de suite. Alors, les pyramides, il faut aller au milieu comme ça. Tac, et là, il faut casser, mais genre... casser sans tomber. Car en gros... il y a de la tente en dessous. Là, vous voyez, j'ai une petite plaque de pression. Enfin, si on l'active, TNT, bonjour. Donc, du coup, il faudra faire attention à ne pas la casser. Justement, à la casser. Vous voyez, TNT. Donc, là, c'est bon. On l'a cassé. Normalement, il n'y a rien. Donc, alors, là, qu'est-ce qu'on a dedans? Chute amortie 2, pas mal. Des os, du sable, oui, du sable, ça fait trop rien. Des pommes dorées, alors la chair, je la laisse. Alors, il y a encore du sable, on récupère. Après, des os, on en a plein, donc je vais quand même le prendre. Une selle, parfait, on a une selle. C'est cool. Ouh, pas mal, là on a de l'or, deux émeraudes, je crois que c'est nos deux premières émeraudes. Et de la gunpowder, je vais la prendre. Et là, oui, bon, bah ça, hop, je prends. Bah écoutez, parfait. Je vais récupérer aussi la TNT. Bah, attention, je pense que je vais en fait ruminer pas mal de grès, tout ça. Donc du coup, je vais récupérer un maximum de grès, on se retrouve juste après. Donc alors, regardez, j'ai déjà quand même fait pas mal de grès. Enfin, j'ai déjà quand même récupéré pas mal de grès, donc je suis assez content. Donc alors, du coup, je vais faire passer la nuit. En même temps, je vais récupérer du sable. Enfin, j'ai récupéré pas mal de trucs. Et on se trouve juste après. Ok, donc c'est bon, donc on est de retour dans notre base. Regardez, je suis rendue dans ma salle des coffres. Et regardez, tout ce que j'ai récupéré, voilà. J'ai récupéré pas mal de stacks de sable, pas mal de stacks... de grès, j'ai récupéré 5 de grès sculptés et 43 de grès taillés. Après, j'ai récupéré encore les bonus, livre enchanté, l'or, les émeraudes, la pomme d'or et la selle. Donc voilà, donc je suis très contente de mon exploration. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner en activant la petite vidéo, en activant la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et quand même, je vous dis ciao tout le monde, c'était Tobos.